Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition. De la minute quintet direction la Normandie ce mardi 29 août, mais ce ne sera pas Deauville ni Clairefontaine, c'est bien l'hippodrome de Dieppe qui accueille la réunion principale dans laquelle va se dérouler le quintet. Ce sera la huitième course du programme, le prix Région Normandie d'ores et déjà. Vous voyez qu'il y a un nom partant, ce sera le numéro 15, Babassim. Voilà, ils étaient 16 au départ, ils ne sont plus que 15. Un sprint qui attend les parieurs avec 1100 mètres à parcourir en ligne droite pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus, euh, une course qui est assez ouverte hein, euh, dans cette euh, catégorie, et c'est vrai qu'on a pas mal de concurrents qui peuvent prétendre aux premières places, on n'a pas forcément un favori en puissance, un petit peu euh, comme dans le quintet de ce dimanche euh, du côté de Deauville, du coup, euh, pas forcément facile d'y voir clair, d'autant qu'il y a les trois ans euh, qui sont de la partie, en tout cas moi j'ai pris le parti de reprendre le numéro 8, Rémiri euh, qui reste sur une 7ème place dans l'un des handicaps préférence. vous le voyez, c'était ici le grand handicap des sprinters sur l'hippodrome de Deauville, il était battu notamment par Restive mais il était pas dans le bon wagon euh, c'est une course qui s'est jouée à l'extérieur lui était resté côté corde et malgré tout il avait quand même fourni une fin de course assez honorable pour moi c'est un cheval qui a encore de la marge à hein, cette valeur un cheval qui a eu une interruption de carrière qui lui a fait du bien il a été castré je crois euh, durant l'hiver et depuis bah, c'est un cheval qui est un peu transformé ça lui a fait le plus grand bien il a d'ailleurs remporté un handicap déjà cette année mais à mon sens il a encore de la marge et qu'il peut remporter un quintet de ce type à cette valeur faudra que ça se passe bien en tout cas avec maxime Guyon, et le numéro 3 dans de départ je pense qu'il est capable de réaliser de très bons débuts sur l'hippodrome de Dieppe ensuite en deuxième position j'ai retenu l'une des euh, 3 ans au départ, hein, c'est le numéro 10, d'ailleurs ils ne sont que 2-3 ans au départ, il y aura le numéro 10 et le numéro 9, j'ai retenu le, les deux pour ne rien vous cacher, en tout cas drôle de dame qui vient de très bien se comporter, euh, c'était l'une des courses référence également euh, en battant Furioso, hein, un quintet plus disputé euh, sur l'hippodrome de Deauville, je crois que c'était 1200 mètres en ligne droite, le prix Chandurant Sauternes Cup, et c'est vrai qu'elle se comportait bien, hein. c'est vrai que euh, c'est une pouliche euh, qui a remporté un handicap à l'âge de 2 ans en valeur 37, et voilà, derrière c'était un peu plus difficile, elle a connu des fortunes diverses. Depuis son retour en piste, elle a montré qu'elle avait retrouvé la bonne carburation, elle est redescendue en valeur 38. Du coup, euh, une valeur qui est plus favorable, un bon numéro dans la salle de départ. Euh, je pense que ce parcours va lui plaire hein, à 1100 mètres euh, en ligne droite. Pour moi, à cette valeur, c'est une pouliche qui est capable de jouer les premiers rôles, d'autant qu'elle est associée à Alexis Pouchin. Alors, elle va affronter bien entendu ses aînés pour la première fois, mais je pense qu'elle est capable de les regarder droit dans les yeux. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 7, Ismail Paint. C'est vrai que ça m'a fait tiquer de voir Marie Vellon associée à Ismail Paint parce que d'habitude, elle est sur Restive. J'aimais beaucoup Restive et du coup, je pense qu'elle a eu le, le choix des montes et j'ai préféré retenir Ismail Paint devant. Euh, en plus, regardez cette musique, elle est assez attrayante. Hein. Il reste sur deux victoires consécutives à ce niveau-là. Euh, alors, il faut savoir euh, de quelle marge il dispose désormais. Hein. C'est vrai que maintenant, avec deux victoires consécutives, sa valeur a bondi. Mais bon, c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, j'ai l'impression qu'il a encore franchi un palier, Marie Bellon a certainement fait son choix, et pour moi, euh, c'est un cheval capable de bien faire, d'autant qu'il a déjà réussi à s'illustrer sur ce parcours avant le coup, je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, si ce n'est euh, sa valeur qui est vraiment euh, plus élevée qu'à l'accoutumée, euh, je pense que vu sa forme, il est capable de réaliser encore une performance de choix. Ensuite en quatrième position, j'ai retenu le numéro 9, un hein, Furioso. Un Furioso qui avait remporté un handicap au printemps sur l'épodrome de Chantilly. Hein, c'était en 1200 mètres ligne droite. Un parcours à peu près similaire, c'est un poulain de 3 ans euh, qui a montré de la qualité à ce niveau-là, mais euh, qui me semble avoir encore un petit peu de marge. Hein. C'est vrai qu'il a eu un peu de mal euh, à digérer la pénalisation. Et puis son entraîneur avait tenté sa chance, je crois, au niveau Listed hein, lors de, après sa victoire. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Derrière, il est revenu dans les handicaps. Bon voilà, dernièrement, c'était une belle cinquième place. Euh, derrière, notamment euh, drôle de dame, il n'était pas battu de beaucoup, pour moi il a encore de la marge à ce niveau-là et c'est vrai qu'il progresse encore, c'est qu'un poulain de 3 ans donc à mon sens il a encore un petit peu de quoi faire dans cette catégorie et même si pour la victoire il a l'air barré notamment par ses aînés, je pense qu'il est encore en mesure de prendre une place. Ensuite en cinquième position j'ai retenu le 4 Moubaleg. Un cheval d'expérience, hein, un hongre de 9 ans euh, qui connaît parfaitement euh, ce type de confrontation et puis ce parcours aussi. Hein. Il faut se souvenir qu'il avait terminé deuxième l'année dernière en valeur 39,5. Là, il est pris en 39. D'ailleurs, il était battu par tout euh, même qui a vu sa valeur vraiment bondir lui aussi. En tout cas, le numéro 4, Mouba Aleg, euh, qu'il faut euh, reprendre en confiance. Hein. Lui aussi, il était dans le mauvais wagon euh, dernièrement euh, dans la course où euh, Cher était également côté corde. Voilà, ça ne s'est pas, pas forcément bien passé pour ces deux concurrents. Et c'est vrai qu'à mon sens, mouba Allez, il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Il sera associé à Olivier Pellier. C'est vrai que qu'Aurélien euh, Lemaître était associé à Babassime. Hein. Il avait peut-être choisi maintenant Babassime et non partant. Bon, ça c'est un fait de course qui est euh, hors de notre volonté. Toujours est-il que Mouba-Aleg, moi je le pense capable de redorer son blason, d'autant qu'il retrouve un parcours qui lui plaît tout particulièrement. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 3 à Restive. Je l'ai dit, ça aurait été Marie Vélon en selle. Je l'aurais certainement retenu plus haut. Euh, Delphine Santiago, euh, c'est pas rédhibitoire. Hein, loin de là, hein, Delphine de Santiago, c'est vraiment euh, une, une jockey qui monte très bien. Euh, mais bon, le choix des montes, peut-être aidant. Euh, j'ai préféré la retenir seulement en sixième position. En tout cas, de retenir Restive en sixième position. Pour moi, lui aussi, encore de la marge, même si ses dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Il est un petit peu. Euh un peu moins tran tranchant euh, qu'au qu printemps. Toujours est-il que c'est un bon cheval qui, à mon sens, a encore de la marge à ce niveau-là. Et même si euh, ce n'est pas euh, Marie Vélon, il est capable de prendre une place à l'arrivée de ce Quintet. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 14, hein, Amazon Prince. On va dire que j'ai conclu ma sélection par deux euh, chevaux qui... Il présente pas mal d'inconnus au départ. C'est le numéro 14 Amazon Prince. C'est un cheval qui est issu des courses en Grande-Bretagne, outre-Manche. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé sur notre sol, il a un petit peu alterné les handicaps, les courses à condition, les courses à réclamer. Bon, voilà, c'est pas, pas un poulain qui a montré énormément de, de gros moyens. Maintenant, euh, il a l'air de s'être déclenché. Euh, dernièrement, il s'est imposé vraiment avec la manière sur l'hippodrome de Vichy dans un handicap. Alors bien sûr, il monte de catégorie. Il a été pénalisé de 7 livres euh, suite à ce succès. Mais j'ai l'impression, euh, comme je l'ai dit, qu'il a franchi un palier, que pour son premier quintet, il est capable de frapper fort. Moi, j'ai retenu seulement septième. Mais attention, en bas de tableau, c'est vraiment un concurrent capable euh, d'amener euh, une surprise à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, euh, j'ai fini ma sélection avec le numéro 16 Intrepid Italian. Encore une fois, c'est un concurrent qui est euh, issu euh, de Grande-Bretagne. Alors lui, euh, il a la particularité d'avoir été absent près d'un an et demi, hein, euh, entre 2021 et 2023. Il est revenu à la compétition cette année. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Cinquième pour sa rentrée. Ensuite, il a gagné à réclamer dernièrement. Il reste sur une deuxième place euh, dans une course à condition où justement il dominait. Euh, on l'a ici. Où il dominait Amazon Prince. Je crois qu'on l'a. Laissez-moi voir. Euh, C'était où Je crois qu'il a repris de la réfraîcheur depuis. C'était voilà, ici, un trépied italien. C'était le 26 juin. Il n'a pas recouru depuis le 26 juin. Il a, il a, il a deux mois d'absence. Euh, mais en tout cas, c'est un cheval euh, qui le battait, certes, avec un kilo d'avantage. Là, ils sont à poids égal. D'autant que son, son jockey prend une livre. Mais en bas de tableau, je trouve vraiment qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu. En plus, il a montré de la vitesse. Attention, euh, je trouve qu'avec ce numéro 16 euh, dans ce handicap, c'est vraiment un concurrent qui est capable euh, de brouiller les cartes. En tout cas, moi je l'ai retenu en 8 position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5 droit de parole. Lui aussi, c'est un cheval qui me plaît tout particulièrement. Alors, c'est un mâle de 7 ans euh, qui a un drôle de profil. Hein. Il est passé à réclamer et il a été acquis euh, par l'entourage de Mathieu Boutin il y a quelques courses de cela. Et j'ai regardé un petit peu sa musique. Euh, les courses entre 1000 et 1200 mètres, il n'a jamais déçu. Il a couru 4 fois entre 1000 et 1200 mètres pour deux victoires, une troisième place et une cinquième place. Alors certes, il y a des tentatives à réclamer dans le lot, mais pour le coup, euh, c'est vraiment pas mal pour un cheval de cette catégorie euh, sur ce tracé, en tout cas euh, sur cette distance. En plus, il associe à Stéphane Pasquier. Alors c'est vrai que... Je ne sais pas si euh, Hugo Boutin avait le choix des montes et qu'il a choisi peut-être tout Bem par, euh, par choix de cœur parce que tout d'Obem c'est un cheval qui lui a apporté de tellement belles euh, satisfactions qu'il avait euh, peut-être envie de le reprendre. Toujours est-il que tout avec 63 kg euh, j'ai eu du mal et j'ai préféré prendre en, en regret le numéro 5 droit de parole qui me semble pris à, une, à un poids beaucoup plus avantageux euh, que son euh, compagnon de boxe. Voilà pour cette section, on va faire un petit récapitulatif avec le numéro 8 Cherimirri que j'ai retenu en tête devant le 10 drôle de dame, le 7 Ismail Paint, le numéro 9 Furioso, en cinquième position le numéro 4 Muba Aleg, le 3 Restive, en sixième position devant le 14 Amazon Prince, et enfin en huitième position le numéro 16 Intrépide Italienne, en cas de non-partant le numéro 5 Droit de parole en conseil de jeu. Bah écoutez pour moi le 8 il faut le reprendre en confiance, vraiment euh, c'était pas le bon, bagon, bon wagon la dernière fois, avec un meilleur parcours je pense qu'il est largement capable de lutter pour les premières places et même de s'imposer. Ensuite le numéro 10 Drôle de Dame qui a le potentiel également pour remporter un tel handicap à cette valeur. Elle a prouvé l'an passé à deux ans qu'elle pouvait en 37, en 38, je pense qu'elle est également capable de d'autant qu'elle revient bien, elle n'a couru que trois fois, elle a pas mal de fraîcheur. Et pour sa première face aux aînés, moi je pense qu'elle peut les regarder encore une fois trois dans les yeux. Et puis ma troisième base, ce sera le numéro 7 Ismaël paint. Le choix de Marie Vellon, un cheval en pleine possession de ses moyens, un hongre de 5 ans qui peut encore franchir un nouveau palier et euh, revenir dans les quintés avec une très belle chance. En tout cas, ce sera mon troisième cheval de base. 8, 10 et 7, mes trois préférés. Un petit tour du côté euh, du Prix Resort Barrière euh, de Ville-Trouville hein, ce dimanche. Le 3 d des non partant. Petit Pedro. Arabino qui surprend le numéro 2. 45 contre 1. Il n'était pas attendu à Paris-Fête. Il bat deux favoris. Le 12, Boulais. Et le numéro 7, Chicho Boy. L'As, Shining Ocean. Lui non plus n'était pas attendu à Paris-Fête avec Delphine Diego La forme est là, donc c'est pas plus mal pour et puis le 15 Central Park West qui euh, fait l'arrivée également, un cheval qui alterne les réclamés et puis d'autres catégories. Et puis là, pour le coup, il a également fourni une course assez euh, tranchante. Euh, du côté de nos deux rubriques, euh, quelques trios, quelques coups de cœur qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques Top Pro Section que vous pouvez tester. Hein, c'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est euh, sans engagement. D'ailleurs, vous avez le lien euh, dans cette vidéo, dans le descriptif, pour pouvoir y accéder. Vous avez également le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo euh, que vous avez également dans le descriptif de cette vidéo. Donc voilà, vous pouvez également euh, accéder à notre formation exclusive. Euh, dans cette vidéo, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Euh, vous pouvez laisser votre pronostic en commentaire. Hein. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner un mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition euh, de la Minute Quintée. Ce sera, je ne sais pas exactement où ce sera pour être honnête, je ne sais pas si c'est du trou ou du galop, mais en tout cas d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et de bonnes journées. Bye bye.